Alors, voilà, pendant que le Bélayango, Lumwamba, il faut dire qu'il y a beaucoup de couples, Oyo, Nakati, il y a Chambre Nabango, Makambo et Marcha Rali Susuté. Voilà, donc la vie sexuelle, quand elle n'est plus épanouie, hein, elle n'est plus juteuse, alors ça, il s'est fait que, pour que ça a raison, il y a divorce. Voilà, je vais m'expliquer, Lumwamba. On va voir, par exemple, Basi Moussousou, je vais commencer avec les femmes. Elle féminin. Voilà. Et ça, peine à Mibali Moussousou, bon. Les vrais, vous savez, très chers téléspectateurs, l'amour, ce n'est pas Esa qui bon mangoté. Esa te, pas bon. Non, l'amour, c'est la passion. Savoir faire ce qu'on est allé faire. C'est un art. Hein? Voilà. Bombili Kambole, Lobia, Bombili Soussou, Bikona, Bombili Soussou. Si insatisfaction est allée éternelle, Moutouata, ce qui. Oui, Batoussou, Batika, Kosamela, Pona, Nizam, et depuis Nabana, Osamela, Ope Sarangaïté. Voilà. Donc, tu te lasses, tu demandes, tu as besoin d'aller loin, mais si tu ne parviens pas à Okende, il faut maintenant avoir la maturité. Exactement. De parler, comme disait tout à l'heure Patricia Ditoko, parce que quand vous parlez, en parlant, vous pouvez trouver la solution. Petit déjeuner, alors prenez votre déjeuner tous les jours avec la M-Pata. C'est avec immense joie que nous vous retrouvons encore une fois. Et voilà, nous sommes là pour vous servir. Nous, c'est cette grande équipe de la M-Matin qui vous tient en compagnie du lundi au vendredi de 8h à 10h. M-Matin, le rendez-vous des amoureux de la positive attitude. Bienvenue à cet avant-dernier numéro hebdomadaire de votre émission. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Merci de votre fidélité, vous qui habitez. Alors, bonjour encore une fois et bienvenue à cet avant-dernier numéro de votre émission, la N-Matin qui vient de commencer. Nous sommes au cinquième niveau de l'immeuble Beautour, dans la commune institutionnelle La Gombe. Merci de votre fidélité, vous qui nous suivez du côté de Biza Ozone. Clin d'œil spécial à toi, à Fallon Mwimba, la diva de quelqu'un, l'infirmière de quelqu'un, et à Tango et Bandina Nupanayo, Mbote na Bande Konyo Sobazali côté à Congo Brazzaville, Mbote na Baninga Obazali Kolanda Biso, à travers la planète Terre. Nous sommes en live sur Facebook. Nous sommes également, cette émission est articulée par le savoir-faire de Dark Okule. Vous retrouverez la partie sujet du jour sur YouTube en cherchant bien sûr notre chaîne Numérica Télévision. Na YouTube, au Rosoa, ba émission Nyonso. Il y a Numérica, mais Mingi Mingi, votre émission un matin. Donc vous avez intérêt à reparticiper à travers les deux numéros qui sont affichés ou en nous écrivant, on a un numéro à page, on a adresse d'ambition à page Facebook. Nous allons lire toutes vos réactions. Réellement, Patricia Litoko, Christophe Mujinga et Esther Jessy sont là. Question de faire route avec nous. Mais de l'autre côté, la technique est tenue de maître par Freddy Lutona Manzaka, affectueusement appelé Tigre, l'homme que le Tricaster appelle papa. Alors, bonjour à toi, Eric Ndongala. Bonjour également à toi, le Moulouba Mouindou, l'autre cadreur, le Moutoupassi de nous-mêmes, Jires Chimanga, le très tenace et très efficace. Patricia Ditoko, bonjour, bon début de la journée. Bonjour à toi, Lumwamba, bonjour la team, bon début de journée à toi aussi. Hein. Je suis très heureux de te voir, tu avais ton micro là, pas allumé, je l'ai allumé, je t'ai aidé. Oh, t'es sûr, côté. T'es sûr que ça n'était pas allumé? Oui. Merci. Ça va? Oui, ça va, et toi-même? Oui, j'aime bien la combinaison. La star. On le battait ma star. Pour y avoir fait sa polémique à vous. On dit la star. La diva de la team. Oui. Ça, c'est quel marque? Jésus-Marie-Joseph. C'est quel marque là? Vous pouvez évoluer, s'il te plaît? Oui, c'est ça, évoluer. J'ai quitté la bonjour. Maintenant, je pose la question. C'est quelle marque les boucles d'oreilles? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quelle marque? Comment? Ça, apparemment, c'est 1 euro. Franchement. C'est ça. Il t'est suivi. Voilà. Alors, faites pas attention à lui, c'est toujours comme ça qu'il a été. De toute façon, vous voyez bien déjà. Tu es provocateur, tu te rappelles? Provocateur, ah oui.
Il n'avait pas tort en tout cas. Bonjour à vous le colonel Dieudonné Nkoulou. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs. Excusez-moi de commencer par le colonel. Hein. Ah, oui. À tout seigneur, tout honneur. Ah oui. Voilà, donc bonjour à vous et bienvenue à vous à ce quatrième numéro de votre animation intelligente, l'avant-dernier bien sûr, pour cette semaine. Alors nous sommes déjà là. Installez-vous confortablement. Et alors on va ensemble avec vous animer cette émission. Ah, oui. Voilà, donc que dire de plus, bienvenue une fois de plus. Quelqu'un m'a dit qu'il est très content lorsqu'il te voit en train de ne pas perdre le sourire. La positive attitude, c'était ma réponse. Voilà, la positive attitude. Comme d'habitude. Positive attitude comme d'habitude dans un matin, c'est la devise même fidèle téléspectateur. Réellement bien. Messieurs Mola, l'homme culture est également sur ce plateau. Question de faire route avec nous. Réel, bonjour, bon début de la journée. Bonjour Lumumba, bonjour également à toute la team. Voilà. Bienvenue également à cet avant-dernier numéro, comme tu venais de le dire, cet avant-dernier numéro de la N Matin. Je ne sais pas si je dois également saluer nos fidèles téléspectateurs, tu me permets quand même. Si tu le veux. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, bonjour. À ceux, bien sûr, qui nous prennent à peine, voilà, et ceux qui ne nous connaissent pas, eh ben, je ne cesserai donc de le marteler que nous sommes la team N, voilà, ou soit N Matin, et nous avons comme obligation, soit pour obligation, excusez-moi, de vous tenir compagnie du lundi au vendredi, et cela de 8h jusqu'aux environs de 10h. Et question pour nous de vos infos. Former autrement et de l'information 3.0 s'il vous plaît. Et voilà, puisque nous y sommes, et ben bienvenue également à vous et n'hésitez donc pas pour ne rien rater de cet avant dernier numéro qui s'annonce plutôt bien. Voilà. Très bien. Certes, j'ai aimé, parce que si tu avais mis ces trucs-là, on n'allait pas... Bah c'est ça, il s'annonce plutôt bien puisque aujourd'hui personne sera en cravate et voilà, on est... Monsieur Mola, l'homme qui dort de 14h à 20h, donc il est fidèle. Il a sa discipline, il sait ce qu'il fait, il le fait tellement bien. Je suis très heureux quand je te vois, vraiment, mon frère. Tu m'inspires. Non, mais le plaisir a été toujours partagé, frère. Tout ça, c'est parce qu'elle coordonne. Je ne dois pas être égocentrique, voilà. Lorsqu'elle donne des avis, ça se discute entre nous et ça fait quand même du bien. Donc, voilà. La débat de la team. Bonjour Esther Jessy, bon jeudi à toi. Bonjour Lumumba, bon jeudi à toi aussi. Ça va? Oui, ça va. Esther, tu vas bien à Bissoko, Nathan? Tu es sûr que ça va? Oui, je vais très bien, ça n'a pas l'air. Oui, j'ai vu maintenant ça va. Tu sais de quoi je parle? Tu dis? Tu sais de quoi je parle, je pense. De quoi? Je sais pas. Tu ne sais pas? Non. T'es sûr? Sérieux? Zelaya mina loco la porte à Lola. Ah. Et puis, Nanda Ruba, c'est elle aussi, ça devient une habitude. De l'heure où Lumumba se met à chanter ou soit à entonner ce chant, et du coup, elle aussi. C'est jouer et faire jouer. Non, au lieu de faire. Non. Elle, c'est. Aussi matin. Ça s'appelle jouer et faire jouer. Non, ça, là, c'est les matins au complet. C'est faire sa pub. C'est inévitable. Elle fait la pub également, c'est inévitable. C'est hein. Inévitable. Non, j'aurais cru que tu allais dire c'est inévitable. Non. Question pour toi, donc je... Alors, ils sont en train de te suivre. Voilà, bonjour, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans cet avant-dernier numéro de la N Matin. Alors, restez branchés pour ne rien rater parce que le menu est tellement bon. Merci. Elle n'est pas la seule. Le plateau est également décoré par Krisnovi Mujina, la maman beauté, la beauté africaine, l'anti-hydroquinone de la team. Bonjour, bon jeudi à toi. Bonjour Lumumba, merci pareillement. Ça va? Ouais, je vais très bien, merci. Hier sur terrain, aujourd'hui matinale. Ah ouais, exactement. Ça donne de l'espoir et je pense que Transport Isaac n'en vaut pas cité. Non, très facile. Très facile aujourd'hui. Gloire à Dieu, je suis très heureux de te voir. Amen. Et moi également, voilà. Je suis ravie de vous revoir. Merci. En tout cas. Il y a les internautes, les amoureux de la page N Matin qui te demandaient hier. Ah bon? Je suis là. On était sur terrain pour vous servir, comme toujours, et
Maintenant, je suis là. On va partager comme on le fait d'habitude. Voilà. Soyez branchés, n'hésitez pas. Merci. Dans cette émission, fidèles téléspectateurs, nous commençons avec la phrase « Un conseil, une leçon à retenir ». Voici celle qui a été choisie aujourd'hui. « Celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin que la foule qu'il suit. Celui qui marche seul peut... Celui qui marche seul peut parfois atteindre des lieux que personne n'a jamais atteint. Je reprends la phrase. Celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin que la foule qu'il suit. Celui qui marche seul peut parfois atteindre les lieux que personne n'a jamais atteint réellement. B. Deuxième partie de votre émission, fidèles téléspectateurs, nous commençons par le sujet du jour. Nous parlons de l'amour, nous parlons de love, nous parlons de Gina, nous parlons de Bolingo, Mapendo, entre deux personnes de sexe opposé. Hein, il faudra vraiment souligner. Et nous parlons des mariages, donc des personnes matures qui se sont dit oui pour les meilleurs et pour le pire également. Parce que nous parlons de l'amour, permettez-nous de témoigner notre amour. Nabaïnyonso, Basaraka, Bisso, bien, Bao, Basotinaka, Bisso. Clin d'œil spécial à toi, Serge Kalambay, depuis les États-Unis, le véritable patron, Bogos. C'est lui qui réagit sans beaucoup penser et c'est lui qui stabilise la situation financière. Mbote, place aux Ali, Mbote, Nabaïnyonso, Basali, côté Kuna. Patricia Ditoko, nous avons commencé un sujet très important hier. C'est un sujet que nous allons continuer parce qu'on avait parlé de deux points. Est-ce que tu peux nous rappeler le sujet et les deux points d'hier? Voilà donc, fidèles téléspectateurs, c'est depuis hier que nous avions commencé à parler des sept mauvaises raisons, sept mauvaises raisons de divorcer, hein, qui poussent au divorce. Et aussi, nous avions parlé de la manière à pouvoir remédier à ce sujet-là. Mmh. Voilà donc, hier, nous avions pris le premier et le deuxième point. Donc, il s'agissait, nous avions parlé d'abord du coup de foudre, hein, dans un couple, lorsque l'infidélité s'installe, l'un des conjoints peut connaître le coup de foudre en dehors de son foyer, bien sûr. Et nous avions également parlé de l'ennui, donc qui est aussi l'une des raisons qui peut emmener au divorce. Voilà donc, et en ce qui concerne l'ennui, nous avions dit que lorsqu'un conjoint rencontre une autre personne en dehors bien sûr de son partenaire ou de sa partenaire, il peut y avoir le coup de foudre à l'extérieur, hein, donc à Koutanina Moutou Moko Oyo Mouté Manae et Sepelinae et Bayokanike Basala, comment on appelle ça, une autre vie, double vie, voilà donc. Donc conjoint Anna a dit que ça la double vie na Moutou Moussousou, donc coup de foudre et ça parmi ma raison Moussousou Oyo et ça que divorce, voilà, divorce et Salima. Alors nous avions parlé aussi, comme je le disais tout à l'heure, de l'ennui. Nous avions dit il y a de ces couples Oyo, foyer nabango. Donc bazoé bah sous soutenu nabango pour ça là, je sais pas, sous et ça l'aura peut-être kou mela dengue bah fandi mingi bazoé bah na sous bah caractère bien té. Alors écoute ici ennui nakati y a relation nabango et c'est aussi l'une des raisons Oyo et Koki Komema na divorce. Alors, pour le troisième point, aujourd'hui, nous allons parler de la vie sexuelle. Voilà. Voilà, donc, la vie sexuelle d'un couple. Voilà. Alors, voilà, pour le Belayango, Lumwamba, il faut dire qu'il y a beaucoup de couples, Oyo, Nakati, il y a Chambre Nabango, Makambu et Marcharali Susuté. Voilà, donc la vie sexuelle, quand elle n'est plus épanouie, hein, elle n'est plus juteuse, alors ça, il s'est fait que, pour que ça la raison, moussoussou, il y a divorce. Voilà, je vais m'expliquer, Lumwamba. On va voir, par exemple, Basi Moussoussou, je vais commencer avec les femmes. Basi Moussoussou, na Kati, il y a Libala Naye,
à monique à messali na mobali mingi et à komina e komona nyoso tout normal à komona nyoso tout normal. Alors le monsieur peut avoir besoin ya madame naye a besoin naye la chambre bien sûr et il y a de ces femmes oh bah comment connaît tika tika voilà oh non ils ont peut-être le l'oraison non j'ai mal au ventre demain oh non voilà je suis fatiguée j'ai beaucoup travaillé depuis ce matin donc bah raison et comme que s'est multiplié donc asa sous on a envie il y a conjoint a été voilà donc asa sous on a envie il y a conjoint a été et c'est par là que Romona Mobali par exemple à Monique non voilà est commis sérieux les lois azana libumupasi lobby elle est fatiguée lobby kuna dans les j'ai partir. Pas envie donc non azel suna va poser en réalité et l'homme peut partir aller chercher ailleurs et place à qui ailleurs kuna ceux qui a se retrouvé malamou et donc et oui peut causer la cause il y a divorce. Voilà. Et de même pour la pour l'homme aussi, hein. Donc de même pour l'homme, Mobali paye ceux qui moi si a remarqué que non, papa kuna ma système est commis moi mon boulot, hein, système est commis fonctionnement. Fonctionnement est commis un peu difficile. Fonctionnement est commis donc un peu difficile, voilà. Bougie et c'est signé pression à souster. Voilà. Compliqué. Voilà et donc moi si à banako se plaindre, voilà, il faut faire ceci. Or il faut que baraque non, bah papa tellement que bah travailler à Ming, nous le savons, c'est vrai qu'il n'a pas couple tous ces arna papa la maman bah travailler à Ming mais très souvent ils allent à papa Moussala les quitte tellement Mingi bah stress à Moussala et tout et qu'au kipé coco tissa moi faiblesse sexuelle la cat il y a foyer donc la cat en tout on a moi faiblesse sexuelle et tout ils allent en haut ils allent soigner à la bas moi mais au moins moi si comme on a dit papa comme il boit allez Yepé, Asali, Nitimoyen, Akita, Akende, moi, Mupandi. Donc voilà la troisième raison. La troisième fausse raison. Alors, fausse raison, voilà. Il y a donc, également, il n'y a pas que les exemples que vous, Patricia, vient de citer tout à l'heure, fidèle téléspectateur. Ouais. Il y a également ce problème-là, Oyo. Actuellement, tout comme on a banné réellement, Patricia Ditoko, bon, banaté, Mikolo Msusu, Abino, ma femme n'est plus satisfaite. Parce qu'elle sent que ma grandeur, là, n'est plus. Il faudra quand même qu'on filme ça, qu'on refaire toré pour que n'a comment par rapport à qu'on faire fonctionner. Bref, il y a beaucoup de points réellement. Est-ce que nous pouvons dire que le sexe peut aujourd'hui constituer une raison pour la séparation de Nakati Yakoub? Je dirais oui et non en même temps. Parce que je suis bien peiné de Patricia Loba qui récemment a 4 télévisions après une heure. Ça tout Loba vraiment. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Voilà. Alors, je vais d'abord partir du côté des femmes. Moi, je pense que dès lors où on n'assiste plus à, bien sûr, à une activité sexuelle très épanouie, il y a beaucoup de causes qui viennent après et cela peuvent également engendrer, comment appelle-t-on ça, une rupture, voilà, donc une séparation. Alors, je veux d'abord épingler l'hygiène corporelle féminin. Voilà. Et ça, peine à Mibali Moussousou, bon, les vrais, vous savez, très chers téléspectateurs, l'amour, ce n'est pas et ça qui bon mangoté, hein, et ça t'es pas bon, non, l'amour, c'est la passion. Savoir faire ce qu'on est allé faire. C'est un art. Hein? Voilà. Aux artistes, artistes à dessiner, raté. Non, il est là, il prend le temps. Il y a des étapes. C'est pourquoi on parle de préliminaire. Voilà, je parlais de l'hygiène corporelle, voilà, accusée de foi chez les femmes, puisque ils ont abattu les muscles sur base à l'amour par passion. Donc, ils aiment vivre l'amour, la passion vraiment de l'amour. Mais ils sont par moments limités parce que peut-être sa conjointe ne sait pas prendre. Voilà. Mazo, on s'est déchaîné vraiment. Non, non, non. On s'est déchaîné à l'hôtel. Hygiène corporelle d'abord. Ils ont balané. Même sur son papa, il y a la X, il y a la Y, il y a la A. 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 Il y a la Vous comprenez? Donc il sera superficiel, même en ça, il ne sera pas vraiment dans le goût de ça. Et allez-y maintenant comprendre qu'à côté, au moment là que, ils ont fait mon parce que Tibela déjà, maman solo, on a donc à la maman la propriété. Donc, perdre, on a un marmot au boé, il sera. Ah, ben, maman, c'est quoi? Ben, on a piqué entre 18 et 19, il y a un problème, maman. Bureau d'âge. Voilà. Voilà, ça également. Je ne veux pas finir. Donc, au moment là que papa
Alors, comme beaucoup plus la pension n'est pas il y a moins na wana ou soit fille wana libana puisque aibi que bon petite attend un ngonga nini na côté d'abord propre tout ça et par ci par là ça n'est qu'à propre contrairement à yo maman nanda là c'est un. De deux je veux parler également de du manque de créativité dans l'acte sexuel puisqu'on est en train de parler de ça. Il y a aussi le manque de créativité. Ozomona ndena utero lo bawa bolimoya ki bomangote bolimoya savoir faire ce qu'on est allé faire passion wana il faut un esprit à créativité nera ba ki mukomso ezate que c'est pourquoi soza mon makoki mingi hein foutez la tanda kuno ya deux chambres salon dans l'idée que OK les on ka posa ya banda na ndao oui parce que moi je me dis que le seul lieu où on peut vivre passionnément son amour n'est pas que en chambre et tout ça. Mm-hmm. On a cette faculté là où soit on peut très facilement vivre ces instants amoureux au salon avec madame, je sais pas moi en cuisine et ainsi de suite. Mais de l'or où peut-être bah la bazar bon, il y a moins un handicap et tout ça, là c'était une petite fenêtre. Donc quand je parlais de créativité, je disais ce n'est pas que en chambre qu'on doit satisfaire peut-être son conjoint ou soit sa conjointe. Tous les lieux appropriés à vous, oui, consciencieusement que nous sommes dans un terrain, soit sur un terrain neutre, mm-hmm. ça peut également vous faciliter peut-être cela. Et ben voilà que créativité, il faut les aller. Que, non, le taureau s'appelle Boya, oui, le taureau s'appelle à tel lieu, ou soit à le taureau, le bâtard. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a également de rendez-vous manqués puisque papa travaille et rentre tard, comment appelle-t-on ça, le soir. Il est fatigué, on a vu soit poteau et tout ça. Et du coup, on n'a pas vraiment cette facilité-là de se satisfaire l'un pour l'autre et tout ça. Ça aussi, ça engendre rupture. Au moins, là, que, bon, puisqu'on n'a pas trop le temps pour ceci ou cela. Et du coup, beaucoup de gens qui ont une décadence, mon copénat. Atroce que Makamoupe. Le temps, c'est un élément, un facteur très important. C'est également. Lorsque son conjoint ou partenaire n'a pas vraiment besoin Nayo, il faut donner le temps. Voilà. Et cause à la. Bossu Bomessani, par exemple, qu'on lit ensemble. Voilà, ça également. Vous allez, Bossu Bomessani, par exemple, comme on le disait hier, qu'on met ta carte ensemble, il y a des jeux de dames, des jeux de cartes. Sortir peut-être au Kendata dans un restaurant ensemble, mais ceux qui déjà ont commis. Par exemple, qu'on soit tant mingi, qu'on pime la moussou sous ton aïeau, ça fait très mal. Voilà. Mais en réalité, le sexe ne constitue pas la raison principale et la divorce. Voilà. Parce qu'il y a toujours. Il faut toujours parler. En parler, même s'il y a manque de satisfaction. Voilà. Donc il faut toujours savoir parler, exactement. Savoir discuter avec son conjoint et savoir qu'est-ce qui ne marche pas pour l'instant et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse marcher et tout. Dans ce sens-là, Lumumba, vu que nous ne pouvons pas parler de ça en profondeur. Non, mais puisque de l'heure où on n'en parle pas aussi, entre couples, tout ça. Il y a beaucoup de chances que ça puisse engendrer une rupture. Là, c'est clair et net. Oui, rupture, les amis, il y a des gens qui ont bombé les cambos, parce que ça a bombé les cambos, les lobby a bombé les sous, les a bombé les sous. Si insatisfaction est éternelle, Moutouata, ceux qui ont bombé les sous, ils ont bombé. Voilà. Donc, tu te lasses, tu demandes, tu as besoin d'aller loin, mais si tu ne parviens pas à Okende, il faut maintenant avoir la maturité. Exactement. De parler comme disait tout à l'heure Patricia Ditoko. Parce que quand vous parlez, en parlant, vous pouvez trouver la solution. Soit solution entre binomi balé ou carrément, et quand un médecin, vous voyez un médecin qui vous parle ou qui trouve des solutions. Parce que ma cause, selon les médecins, ils ont sous les alliés psychologiques, sous les alliés par rapport à l'alimentation, sous les alliés. Bah, raison, ils ont quand même moins ébélé. Oh, et quoi, ça, les loups qu'on amène. En bref, point Oyo, et quoi qui constitue. Voilà. Raison valable, voilà.
Donc c'est une fausse raison parce que les solutions sont devant nous. Donc, et nous pouvons loin à Rokele Gotore, je ne pense pas que Yango Koutouté, c'est d'abord Babylon Rotolobila. Kotore Koutouté, Osoinevité, voilà pour l'homme. Voilà, donc je fais donc, passer un peu parce que nous allons prendre le quatrième point. Voilà donc après le problème dont nous venons d'évoquer ici, le problème sexuel dans le couple qui peut être l'une des fausses raisons voilà. Pour le divorce. Il y a, on nous dit également pour le quatrième point qu'il faudrait vous pencher sur le côté, les côtés positif de votre mariage. Mm-hmm. Voilà. Donc ça, ça, là, ça, maintenant, ça intervient à la résolution. Il faut que ça, là, pour éviter, bien sûr, le divorce hein, dû à des mauvaises raisons. Donc, penchez-vous très souvent sur les côtés positifs de votre mariage. Donc, c'est-à-dire, vous êtes un couple et donc, ça veut dire que vous êtes... Pardon, qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes un couple, ça veut dire que vous devriez avoir à tout moment le dialogue. Voilà, le dialogue, savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché hier, comment est-ce qu'on peut l'améliorer aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà, donc, parce que plusieurs couples, Lumumba, il faut le dire, Bazalara, Nanda, pour papa, la maman, Bazalara, quoi, Niaou, Niaou, na Poukoua, mais au comprendre, Bazalara, Niaou, na Poukou, mais Bana, Bazobota, Maraka. C'est-à-dire que Balobana, Kate, Bapesa, Nakambo, Tekoutouté, Bazalara, donc, Baenemi, Moko, éternel, Nakat, Nanda, donc, on sentit vraiment que non, climat n'anda que zala ramala monter dans le bazar. Pourquoi? Parce que manque à dialogue. Solo la rana ba monter. Alors qu'est-ce que. Moi, la bobette est sous les solos que vous êtes amoureux l'un de l'autre. Ou pas de caca, malgré, voilà. Malgré. Alors, Patricia a raison de dire qu'il faudra toujours trouver les côtés ou les points positifs voilà. De votre mariage ou de votre union. Il faudra toujours, toujours savoir le départ. Il y a place d'une bozalaki. Ok. Place Nini Bozali, place Nini Bozoki. Ce qui n'a qu'à dire mariage, Nabino et Zalaïke, tant que vous vendez ensemble, vous aviez du plaisir. Même dans la vie, hein, dans la vie où vous vivez une vie normale, vous avez des choses à dire. Les amis, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à dire. Mais il ne faut pas qu'on ait un fondement, qu'on pose une fondation dans la vie de Mabé. Il faut toujours trouver du plaisir dans la vie de Mabé. Vous avez des choses à soulager, mon tout, dans mon thé, dans la conscience. Exactement. Donc, c'est pour aller. Un peu plus loin, c'est pour permettre à ce que Moutou a mais quand même qu'on soit épanoui de façon d'une manière générale, Patricia Lito. Tout à fait, Lumumba. Donc c'est d'ailleurs le point le plus important dans un couple. Hein, donc il faudrait qu'on satisfaire Mouninga, que Mouninga alinga raboué, topé alinga raboué. Le col alinga raboué, je ne vais pas faire ça et je dois faire ceci. Donc c'est tout simplement ça, Lumumba. Il faut vraiment donc, que tout un chacun retrouve un peu la satisfaction et le goût, ce goût-là de l'amour, c'est un peu ça. Alors, l'amour est vaste. L'amour se témoigne par les actes que nous posons, fidèles téléspectateurs. Mais ça, là, où il y a aux aliko ça, là, est-ce qu'il y a aux aliko définir Bolingo Oyo et qu'il y a aux ala, na katina yo aux aliko le bela muninga, réellement, on nous dit ici, partant de ce deuxième point, qu'il faudra dénicher les points positifs. Les points qui constituent la joie de votre couple. Ben, tu as tout à fait raison. Et puis, je pense que c'est quelque chose presque infaisable dans certains couples ici à Kinshasa, précisément, puisque. Si j'ai bonne mémoire, il y a peut-être. C'était l'année passée. Il n'y a que Ozu, moi, Sinaï. Ce que vous avez dit, c'est que c'est bon, chérie. Tu es là, tu es comme la ténité. Tu es là, 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 tu depuis ton banda, faire le bilan. Ni ni tu as changé selon yo d'abord. Oh Monique, oui, au Sungabiso, tu as évolué autrement. On a kangi munongo. Oui, c'est bien de papa moler le baga. À vous. Aucun bien maman. Abani au sopa ma. Oh yo, parce que moi si asan maman me belle au baga. Parce que sous baluka occasion. Elle n'a pas vraiment l'occasion d'échanger amplement, de s'exprimer. Voilà, de s'exprimer amplement devant son conjoint. Alors kaka occasion et puis c'est rare.
exercice au mobile à ça là on en a très très rare mingi ça rare beaucoup tenir pour la ligue mususu soit ça peut-être d'externe à quoi que sauter à introduire sujet mususu mais au bengaye dans un coin retiré pour ne parler exclusivement que sur les questions de l'heure qui peuvent très facilement vous aider et à rebondir autrement en amour ils seraient un peu difficile compliqué ouais. Alors Patricia Litoko, est-ce que nous pouvons conclure pour aujourd'hui parce que nous faisons course à la montre, fidèles téléspectateurs, nous vous rappelons cette émission est en live sur la page Facebook de l'émission Un Matin Officiel. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube dans la chaîne Numérica TV et il suffit seulement de cliquer, de chercher Un Matin, vous verrez que cette partie consacrée au sujet du jour va réapparaître sur vos smarts et vous allez devoir suivre les interventions et pourquoi pas continuer à nous contacter à travers les deux numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Patricia Litoko, la conclusion. Voilà donc, alors en conclusion, c'est la recommandation hein, à se pencher sur les côtés positifs du mariage. Voilà, donc ça c'est pour un couple marié. Alors on dit, vous voyez tous ces autres couples en amour et ayant du plaisir ensemble. Donc vous pourriez aussi faire comme eux et tout simplement, il est peut-être difficile d'observer des relations qui semblent mieux fonctionner que la vôtre. Alors demandez-vous à quoi votre mariage ressemble de leur point de vue et interrogez quelques personnes à ce sujet. Vous pourriez être surpris des attributs positifs qu'ils vont vous citer et faites également votre propre liste et tentez de trouver des solutions à ces problèmes. Voilà donc ça c'est pour conclure avec ce point Lumumba. Alors un conseil, il faudra, chers téléspectateurs, si vous voulez vous marier, cherchez des parrains, un couple qui peut vous parrainer au Yerusalem, exemplaire. Voilà. À qui vous aurez vraiment la facilité de tout dire. Et surtout, Bango Bazali modèle, Bazali référence, en termes et à comportement, en termes aussi à... Bazala d'abord, on a expérience. Exemplaire, expérience, voilà. Bazala exemplaire. Ça, c'est expérience, et puis Kozala exemplaire. Oui, Togo a la mission exemplaire. Mais toi, l'expérience, c'est compliqué. Au moins, les parrainer, en plus d'expérience, les parrainer. Voilà. Comment ça? Voilà. Bonjour et bon jeudi à Nono Mukambu, le patron, le millionnaire, l'homme qui assure le social de ses compatriotes. Nono Mukambu qui assure, l'homme qui fait très bien les choses sans attendre quoi que ce soit en retour parce qu'il n'est pas politicien et il n'y sera pas candidat. Mbote place aux alliés. Je salue également M. Jocelyn qui assure la coordination de la fondation MKS de Nono Mukambu Awana Kinshasa. Mbote place aux alliés. Mbote na boss Issa Color. L'homme qui montre le savoir-faire dans l'entrepreneuriat. Surtout dans Ozo Salango, au Comité de quoi référence et à Bandeko. Ebede, Mbote et Painayo. Nous faisons. En tout cas, yo, Siko Nante. Nous allons prendre la beauté brièvement. On va parler de l'alimentation encore une fois. On a parlé avec Kesnovi Mujinga de l'impact ou les vertus de l'alimentation. Nakati Asuki Nabiso, Aibisibiso été Suki Ezali na Bosenga Akolia Malamo et surtout Bilo Akolia Izala. Quand même varié, nakati à table, nakati à assiette, pour que tout parvenir qu'au maximiser les vitamines qu'il faut. Krisnovi, bonjour et bon jeudi encore une fois. Très bonjour Lumumba, merci pareillement. Alors, tu nous avais donné la liste, il y a des aliments, il y a des vitamines, il y a des vitamines, il y a des vitamines, il y a pour que pour y a ceux qui n'habitent à la paix d'ingé sengeli, bref être en bonne santé ou avoir la bonne chevelure. Alors aujourd'hui vous venez nous parler des vertus alimentaires du poisson, de la viande et du céréal. Oui, juste savoir le nutriment qu'a le poisson, la viande et le céréal. Alors rapidement le vertu qu'a sur le cheveu. Tout d'abord, faudrait savoir que le cheveu sont constitués de 95% de kératine. Wow. Le kératine, c'est, l'autre fois je l'ai expliqué ici, le kératine c'est le protéine que l'on trouve dans le cheveu. Donc ces kératines-là est constitué de plusieurs nutriments que l'on trouve dans des aliments que l'on consomme chaque jour. Il faudrait aussi savoir que les acides aminés
qui contiennent le poisson et, la viande sont vraiment importantes pour sont précurseurs de la kératine. En fait, la kératine, c'est juste l'imperméable. Il y a sous qui n'a pas tout le monde qui est 95% il y a sous qui n'a pas ils ont constitué la kératine. Donc kératine on a ils ont protéines il y a sous qui ils ont vraiment importantes. Donc bah acides aminés oyo et ils allent na kati ya poisson na ya viande ils ont vraiment importantes. Donc tout consommer ka poisson na viande mais excepté ils ont vraiment malam oui tout excès de nuit. Et en deuxième position je prie le céréal. On avait vu l'autre fois j'avais dit le céréal et le gerbe de bleu et toute autre céréale aussi sont vraiment importantes et elles contiennent le vitamine du groupe B. Donc nakati ya groupe B wana tozo mona ba vitamine ezali ebele ebele nakati wana mais mingi mingi tozu mingi mingi vitamine ya groupe B o ezali vitamine B5. B5 wana ezali mingi pona ko renforcer sou ki na biso to couper sa pousse ya cheveux. Nakati pe ya groupe ya ba vitamine B wana ezali ba B12, B9, mingi mingi ba tuba yebi, mais ba tu mingi ba kota ka en profondeur te pona koyeba ba vertu to ba vitamine wana e apporta ka nini na nzoto na biso to na sou ki na biso. Je suis allée un peu plus pour voir vraiment à l'intérieur nakati ba vitamine wana oye mais makana sou ki na biso to moni pe vitamine mususu B12 wana oyo e stimulaka production, il y a c'est bon on dans le bac qui a les alliés ma fouta oh et beau t'as assez à court chevelu une habitude ça peut vraiment importante mais de façon qui peut éléquer et comme ramabé deux fois et puis ça peut alopécie deux fois et comme ça l'opé bah pellicule auto ben bah pellicule gras qui n'aura pas si donc vitamine oyo est allée vraiment importante pour na soukinabiso. Voilà. Alors, avec le temps aussi, on pourra continuer demain avec d'autres aliments. Toko zong et la ngolobi pour na peut-être troisième, donc quatrième et cinquième aliment oyo est allée peine à la vertu ébélé. Patricia Ditoko, Krisnovi Mujinga, Rael Mombe, nous allons devoir prendre la dernière partie ou le dernier virage de cette émission, les instants and rire. Ne faites pas ça chez vous. D'abord, il a triché. Des deux, c'est pas Yokanaki déjà. À part mon dingue, c'est mon image. Mais d'office, vous êtes voué à l'échec parce que vous n'avez pas payé. Vous êtes à zéro. Dans des écoles bien organisées, vous êtes partant. Maintenant, il y a quoi avancer dans tout le quoi, le sujet du jour. Oui, au moins, que quelque part, voilà, nous vivons ensemble et nous mourons ensemble. Mais vivre ensemble, mourir ensemble, pas dans le mal. Là, c'est dans le mal. Vous allez tous en affaire si vous mourrez. Là, c'est directement en affaire. Donc, si c'est une école disciplinée, en tout cas, la minute où il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. 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 Les amis. Mais la Kinshasa endetté. La Kinshasa a évité ce bazar. Autre cas, il y a tant de gratuité. Il y a un niveau à l'institution. Il y a un niveau à l'institution. Ils ont endetté. Nous prenons la deuxième vidéo. Quand les parents ou le père qui est le chef de la famille est induit en erreur, ça donne ça. Suivant. Non,
Les enfants problématiques, vous allez un jour envoyer quelqu'un dans l'au-delà. Non, mais c'est ce qui arrive lorsqu'on a excès de savoir protéger sa famille, et voilà. Ah. Et du coup... Est-ce que la seule façon, c'était aller chercher comment bagarrer avec le garçon? Les enfants, donc le papa a mal agi. Il a mal agi. Un chef appelle sa fille, voilà. Il appelle aussi le garçon. Mm-hmm. S'il faut blâmer, vous blâmez, vous trouvez la solution. Voilà. Parce que non, moi, on va dire, Mais et les filles qui pensent qu'elles sont fortes, assimilant mon bali boy na bon c'est quoi ce petit papa yo c'est fort moi et puis jeune moi on dit à kata banzolo ba kata bakamo par ça dit qu'on va nous donner le programme du fonctionnement de Numérica Télévision. Alors voilà, fidèles téléspectateurs, nous allons vous donner le programme du jour. Juste après cette tranche d'animation, là, le matin, vous allez suivre comme ça le magazine La Politique. Hein, voilà, donc le magazine La Politique interviendra, comme je le disais, juste après ces tranches d'animation. Et s'en suivra à 11h30, le magazine Quelle Boule, avec David Tsala à la présentation. Et à midi, juste retrouver comme ça le groupe théâtral Litkijo pour votre divertissement. Midi 40 minutes, les instants Tolobaté vont intervenir et à 13h, 20 minutes, vous allez retrouver comme ça Trésor Baka Lotadila pour le compte bien sûr du film nigérian avec l'espace Consolation encore et toujours. 15h, 15 minutes, divertissement avec le groupe théâtral de Esther Cabello. Et à 16h, juste, vous allez devoir suivre le magazine Club de Santé. 16h30 minutes, retrouvez Nadine Maïfiloa pour le compte du magazine Le Mariage aujourd'hui. Et à 17h15, vous allez suivre le mannequin de la presse Blaise Blaisus Kinsala pour le compte du magazine Mille et un visages. 17h45, retrouvez l'évangéliste, excusez-moi, Roger Baca, avec la prédication dans l'ignorance, de l'ignorance pardon, à la connaissance. 18h30, une détente musicale, bien sûr, vous sera proposée. Et à 18h40, une fois de plus, retrouvez les instants Toloba, Tolobaté. À 19h juste, nous allons vous proposer la grande édition du journal télévisé. Et à 19h30, suivez comme ça le magazine sont la pauvreté. 20h10, divertissement une fois de plus avec le groupe théâtral Le Temps de la Grâce. Et à 20h30, David Tsala sera à nouveau là pour le compte du magazine Quelle Boule. 21h10, le boss lui-même sera là pour vous présenter le magazine Profondeur de la Presse. 22h15, suivez le direct avec Trésor Baka Lutadila dans Consolation encore et toujours. Et à 23h30, nous allons vous proposer la rediffusion du journal télévisé. Minuit 10, place au cinéma. Et à 1h du matin, nous allons vous proposer comme ça la rediffusion de ces tranches d'animation La Haine Matin. Voilà, donc nous allons clôturer notre programme aujourd'hui aux environs de 3h du matin. Voilà, donc fidèles téléspectateurs, c'est de cette manière que Numérica Télévision va fonctionner en cette journée du jeudi 11 février 2021. Un très grand merci à vous tous pour votre fidélité. Voilà. Alors, merci à Bosco Okuvonda depuis le Canada, hein, un Gilois de moins un Gidi et un Canadien de plus au Canada. Bonjour et surtout, bonne assimilation des cours ces derniers temps, même si ils allient en ligne Moté, na sœur Lukombo, moi si Yabatou, Yavie Sakoul, Mobali Amande Fwa Pembe, Wanana Londres, Moté, Nayo Moté Nabana et surtout prompt rétablissement, et pas à Mkubwa Sakoul. Et nous n'oublions jamais, c'est lui qui restera jamais l'identité
et la référence. Il y a Bayo, Nyon Sobasala, Willy Mouché, Nicode, Mondial, la référence téléphonique. Après juste l'émission, nous allons appeler Patricia Ditoko. Nous sommes arrivés à la fin de ce quatrième numéro de la semaine. Voilà donc, fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci d'avoir été branchés et merci également à tous les internautes qui nous ont suivis à travers notre page Facebook, la N Matin officielle. Voilà donc, je ne m'en irai pas comme ça sans pour autant mouéloniser quelques personnes comme ça. Je vais commencer avec toi, Eli Chidibi, cher ami, joyeux anniversaire à toi. Tu célèbres un an de plus en cette journée. L'effort fait les fortes, toujours et encore. Alors, bon anniversaire à toi, Eli Chidibi. Salutations spéciales à toi, Jano Malakatai, depuis l'Afrique du Sud. Donc, ça, c'est pour toi. Je te moélonise encore et toujours, Jano Malakatai. Salutations à toi. Salutations à toi, frère Flumo Maudit, depuis la France. Donc, avec ton album Condamné à réussir, nous sommes vraiment condamnés à réussir. Alors, salutations à monsieur Pascal Chioka, on l'appelle comme ça, le père des jumeaux britanniques. Pascal Chioka, Mbotena Oisikozoami, en parlant de Pascal Chioka, je pense également à Chang Bimancha, ainsi que Jules Bimancha, affectueusement appelé le prince de la ville. Voilà donc, fidèles téléspectateurs, je pense que c'en est tout pour aujourd'hui et on vous retrouve demain pour clôturer la semaine ensemble avec vous. Voilà. Il nous fait signe de vie. Lui, c'est Audrey Mohamed Gyunkulu, le pas sec du général Sam Kabila, le bras droit du général Sam Kabila, la fierté de l'armée. Mbotinayo, Mbotin entourage, Yon Somapinga, Yon Swachest. On est ensemble. Bonjour et bon jeudi à M8 13h en Potumabi qui est en pleine concentration de ce grand rendez-vous du samedi 13 février prochain. Alors, réellement, nous devons chuter pour aujourd'hui. Question de retrouver les téléspectateurs demain. Voilà, fidèles téléspectateurs, ça serait donc demain le dernier virage pour ce rendez-vous qui est autre que la haine matin. Mais bon, je pense que celui d'aujourd'hui, voilà, vous a émerveillé puisqu'il était riche en informations. Quant à moi, je veux souffrir d'aller épargner de l'argent. D'abord, pour réaliser ce plat là qui était le croquette de poulet et en deuxième position essayer de m'acheter la combinaison de Maître Gims. Certes ça coûte mais bon ça va me prendre du temps et voilà très rapidement je pense comme cela à ces gens qui nous ont écrit de partout. Je vois là donc Monsieur le banquier le plus swag, donc il est swag, il est expérimenté, enfin frais. Voilà, lui ce qui est bas, c'est le banquier le plus expérimenté de la ville province de Kinshasa, Monsieur Christopher Kaniki, qui est en train de me suivre très confortablement dans son bureau, très bien climatisé, ou soit parfaitement climatisé. Et je vois également Fanny Malonga de la RTNC2, merci infiniment, très chère consoeur, de m'avoir écrit. Voilà, l'expert comptable, Yamukanda, Yakombote, mérité. Donc le seul expert comptable, à Neoyo, TSI, la gâte, oui, au côté de sa commune, un livre, un record de Guinness pour le savoir-faire et les travaux fournis. C'est monsieur, monsieur Johnny Kalombo, un vieux vraiment de très très longue date. Je vois également le banquier Omer Kassanda. Même les aveugles savoir que tu es un bourgeois. Merci infiniment. Monsieur l'entrepreneur, au vrai sens du mot et au vrai sens du terme, gloire, Nguébé depuis Paris, France. Je te vois, cousin. Elle suite, patience, Zantoko, elle pastore. Depuis la maison, non, c'est là. Mambou, c'est là, quand même. Voilà. Prisca, la patrona, depuis Paris, France. Je t'ai vu. Je vois également, excusez-moi, le docteur Jafar Awatosa, vrai. Voilà. Donc, le docteur Jafar depuis Paris, France, à Ouattosa, vraiment, on est de cœur. Coucher du soleil, c'est la petite Angie Didi Mola, ma maman chérie, maman Martine Coco, depuis la maison. Bon.
Bonjour à tous les serviteurs des dieux qui continuent à nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Bonjour à vous et bon jeudi à vous, messieurs l'évangéliste Roger Baka, patron des ERBTV et visionnaire de l'UFC, Université de foi chrétienne. Je salue également Dauphin Boulamatadi, le dénicheur. C'est lui qui déniche les talents et qui les... il faut être dauphin, le donneur de contacts. Mbote place aux Ali depuis Limité 7e rue. Chris Novi Mujinga, nous sommes arrivés à la fin. Nous devons dire au revoir à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin et on prend congé de vous. J'espère que vous allez se retrouver encore demain à la même heure pour partager comme on le fait d'habitude. Et j'en profite comme cela de dire bonne fête à une grande sœur. Moi, c'est à Bembe Dorian depuis Yolo. Et je vous dis bonne journée. On se retrouve à demain. Alors, merci infiniment à Jojo Ngonda Imene, l'homme qui assure la bourgeoisie, l'homme qui répond lorsqu'il y a des problèmes. Mbote Nayo, Willy Moucheni, plus 243 depuis Kinshasa. On est ensemble, merci infiniment. Patricia Ditoko, on peut prendre quelques noms, seulement des internautes qui nous ont écrit. Voilà, donc il y a Mehdi, Elena et Mongo qui étaient avec nous sur notre page Facebook. BMT Chiama, salutations à vous. Charleroi Chimpaka, je te salue. Doudou Kasuba également nous a suivis à travers notre page Facebook. Il nous a suivis doublement. Hein? Voilà, doublement, voilà, il est toujours là. C'est voilà, par ici que nous devons maintenant, merci Patricia, c'est par ici que nous devons maintenant clôturer. Mais si vous avez besoin des images, passez au 5e niveau de l'immeuble Beautour, procurez-vous ce décodeur TNT avec plusieurs chaînes. Nakati nango yaka osomba décodeur na yo tikaba na bakenda otala kaba TV pa bandeko. C'est pas bien, ba ya bébé s'appelle na banner moko. C'est pas bien, il faut qu'on osombe la bango décodeur à moins cher, $15 à pamba. À 5e niveau, il y a immeuble Beautour, au Kouta Doudou Kasuba, au Kouta Freddy Luto na Manzaka, ba Lidi Landu Basara, Kita, ba Fanny Kalunga, Bazadiana, ba servir yo parfaitement. C'est un décodeur qui ne pose pas problème. Alors, c'est le savoir-faire et l'innovation de Numérica Télévision, sans oublier le premier journaliste de notre entreprise. Lui, c'est Jean-Pierre Kibombi Chintoa, Wamose Memba. Le premier journaliste de Numérica Télévision. Merci de votre fidélité. Merci également à toute cette grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. Coup de chapeau spécial à toi, Freddy Luto Namanzaka, qui a assuré les deux côtés, sans réalisation également. Et merci infiniment à Eric Ndongala, sans oublier l'homme du jour, le cadreur du jour, Jires Chimanga Moulubaya Mwindu, les très ténaces et très efficaces. Alors, on est ensemble. La team doit se séparer de vous avec l'espoir de vous retrouver demain à 8h, heure de Kinshasa. Au revoir. Vous êtes amoureux d'un bon petit déjeuner? Alors prenez votre déjeuner tous les jours avec la M Matin. C'est avec immense joie que nous vous retrouvons encore une fois. Et voilà, nous sommes là pour vous servir. Nous, c'est cette grande équipe de la M Matin qui vous tenons compagnie du lundi au vendredi de 8h à 10h. M Matin, le rendez-vous des amoureux de la positive attitude.